Quel est le meilleur katana de la collaboration Tortue Ninja? Si par exemple je prends ce katana et que je mets un coup, ça inflige 32 dégâts. Et si cette fois-ci j'utilise le ballon de Donatello, je peux faire 50 d'un coup, ce qui est déjà beaucoup plus fort. Du côté du Nunchaku, je fais 40 seulement. Et enfin pour le katana de Leonardo, je peux faire 80. Alors ok, tout ça c'est énorme, mais avec un combo complexe, jusqu'à combien de dégâts est-ce que je peux monter? Donc par ordre de dégâts, on va reprendre ici avec ce qui de base mettait 32 dégâts et qui maintenant avec un combo complet mais 220. Et en vrai c'est plutôt fort. Ensuite, est-ce que le Nunchaku fera plus de dégâts? Ok, ça commence très bien, ça commence très bien. Et ça fera, wow, 250. Maintenant le bâton de Donatello, est-ce qu'il fera plus? 50, 80, 140, 70. Quoi, ça fait que 210. Et enfin pour terminer, le katana fera-t-il plus? 40, 80, 110, 170, 230. Wow, ça fait 290. Voici clairement l'arme à prendre à tout prix.